On va passer au common element de cette soirée dans la catégorie 93 kilos. Ils sont un petit peu moins lourds, mais ils sont là pour la ceinture des 93 kilos du GFA. Ah, ils nous viennent d'Espagne. On applaudit et on accueille. Señor Omar. Allez, common event. Storm. Ah, common event. Voilà, voilà, voilà. Alors là, nous allons avoir un combat pour le titre entre Mathieu Grondin et Omar Storm. Omar Storm espagnol qui va rencontrer Mathieu Grondin, qui est un excellent combattant originaire de l'île de la Réunion. Tout à fait. Qu'on ne manquera pas de saluer parce que cette Réunion nous a donné des grands talents. Je pense également aussi Anthony Grondin. Qui, oui. Qui nous régale par ses prestations, un striking hors du commun et vraiment là, et une présence extraordinaire. Je compléterai ton information par également Laurent Pousse qui a été adopté ici et un ami, Gaël Grimaud. Gaël Grimaud, oui, ah oui, champion Grimaud, du Cage Warrior. Hein. On ne peut pas parler quand même des combattants de MMA et associés de la Réunion sans parler de Gaël Grimaud. Ah là là, Gaël possible. Grimaud. Qu'on voilà. Salue parce que c'est vraiment un excellent combattant. Il était champion du Cage Warrior, champion du 100% fight ici. C'est ça. C'est vraiment. Moi, je suis parti avec Gaël en fait sur. Je l'avais coaché en fait sur beaucoup de ses combats au Cage Warrior. En fait, quand il est allé là-bas, bon, très clairement, il donnait pas favori. En fait, c'était Arnie Isaacson, je crois qu'il avait combattu. Et il avait dominé, mais je crois que ça a pris deux rounds. Les mecs étaient imprimés sur les fesses. Et ils sont revenus, ils ont dit allez maintenant on te met Jesse Taylor. Donc qui avait fait le teuf, l'UFC, bon Jesse avec qui je m'étais entraîné d'ailleurs à Team Quest à l'époque. Troisième round il souvenait je crois. Non, ça a été. Il a fait un beau petit parcours. Moi je crois que je l'avais accompagné sur. Et après j'étais retourné quand il avait combattu Carvalho qui l'avait mis KO en 30 secondes. Ah ouais non on peut pas parler. Et puis on a combattu ensemble d'ailleurs sur les Golden Belts à La Réunion. Gaël, c'est Gaël quoi. Voilà. C'est Gaël. Un très bon combattant en plus, sympa et respectueux. Tout à fait. Qui est parti là, qui a eu un projet, fait un peu le tour du monde en fait avec femmes et enfants, basé en fait sur une sorte de sport, enfin sur c'est un concept à travers le sport. Donc en fait il y a un échange avec les clubs dans les pays où ils vont. D'accord. Et voilà, c'est un beau challenge, c'est bien qu'ils se lancent là-dedans. Donc. Bonne continuation à lui. Et voilà le Kraken qui fait son entrée. Allez. Allez, allez, allez le Kraken. Voilà la bâche qui est déployée. Ouais. Alors que la Ring Girl présente la ceinture, on va mettre les hymnes nationaux. Ah oui. Ah oui, le titre est en jeu. Voilà, tout le monde se lève pour l'hymne national.
Et là, on va commencer par l'hymne espagnol. Tout à fait. Mais... je crois qu'il n'est pas espagnol. Allez, c'est tout comme. On va dire ça. Ah, bon, il vit en Espagne. Voilà, c'est ça, il vit en Espagne. Ah, quand même, si, si. Il met la main. Oui, oui, oui. Dans l'hymne de France, la Marseillaise. Voilà. Ah, ça fait toujours quelque chose. Ouais, quand même, ça, ah, toujours, toujours. C'est chez nous. Ouais. Ah, puis c'est une fierté quand même, ouais, quand on est combattant, de se faire jouer la Marseillaise quand même. Pour le titre en ah, plus. Ah, ça, hein, ouais, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Voilà. Hein. Ça le fait. Et voilà, Laurent Colombo, donc un des tout meilleurs arbitres de ce pays. Ah, précurseur aussi dans ce domaine. Hein. Ouais. Il a fait partie des. Des tout premiers et qui a été combattant aussi. Oui. Mais franchement, sur le dessus du panier, il y a. Ouais. Il y a lui, c'est sûr. Ouais. Il y a aussi Ahmed Korchi auquel je pense. Ouais. Allez. Allez. C'est parti. Alors, pour ma part, beaucoup d'interrogations sur le. Marston, en fait, que je connais, alors, j'avoue, très peu. Il a combattu très dernièrement. Il a combattu dernièrement au WTE Fight Championship en Espagne. D'accord. Il a perdu. C'était le 14 juillet. D'accord. Jour de la fête nationale. Après, il comptabilise une victoire par arrêt d'arbitre. Ouh. Et je crois comprendre pourquoi. Oh, ah, c'est fini. Oh là là. Oh, incroyable. Le chaos de la soirée, certainement, là. Le chaos. Incroyable. Une droite fulgurante qui t'impacte et qui envoie au pays des rêves. Incroyable, c'est parfait. C'est bien placé. Incroyable. Alors là, mes amis. Ah là. Ça s'appelle un chaos, messieurs, dames. Ça s'appelle un chaos. C'est incroyable. C'est... ouais. Wow, Et bien, Mathieu, qui vient vers son adversaire. Le respect total. Mais alors là, je crois que... il n'y avait rien à faire. Non. Absolument rien. Non. Rien du tout. Non. Mais rien du tout. D'ailleurs... si normalement le chaos a été bien fait, je pense que son adversaire ne doit même pas savoir ce qui s'est passé. Non. Voilà. Incroyable. Je reste quoi, pour être honnête avec vous. Ah ouais, non, incroyable. C'est. Ouais. Voilà. C'est.
C'est rapide, efficace, et voilà, au revoir. Enfin, disons que ce soir, on n'a pas eu beaucoup de temps de réfléchir, si je regarde sur la soirée. Alors, non, là, non, quand même, ça a été... C'est bien parce que ça a, été, ça a été assez éclectique. Oui. Il y a eu des combats rapides, un peu plus longs, un peu plus intégrables, un peu plus orientés striking. Voilà. Oh, c'est... Bah, alors, là... Heureusement qu'ils n'ont pas tous fait 30 secondes ou 20 secondes, parce que sinon... Non, mais alors là, aucun défaut. Là. Mais alors là, non. Là, ah, là c'est vraiment le voilà, chaos. On le sait, il a quand même... ça tape fort, il a du punch, hein. On connaît Mathieu. Donc, après, quand quelqu'un qui a du punch prend la personne au bon endroit, ça tombe. Hein. Ce soir, c'est tombé. Bah, il pourra ajouter une nouvelle ligne à son palmarès, Mathieu. Ouais, belle victoire. Bravo à lui. Voilà, champion du GFA. Bravo. Bravo, bravo. Eh bien, bravo. Hein. Et champion du monde. Et la ceinture d'entraîneur remise, monsieur Mathieu Gondin. Voilà, ça y est, c'est officiel, il est champion. Magnifique. Ouais. Bon, je vais aller rejoindre le nouveau champion et lui demander ses impressions parce que là, il nous a tués. Ah, là, c'est clair. De la soirée, ça fait quoi d'infliger un tel chaos qui a électrocuté la tendance en même temps que ton adversaire? Ouf, que dire, déjà je suis même pas essoufflé. Après je passe un gros big up à mon coach d'anglaise qui m'a fait trouver que j'avais la foudre dans les points. Aujourd'hui j'ai confiance en mes points, donc pour les prochains combats, la réunion sera là et ça va cogner de plus en plus dur. Un petit message aussi à tous les combattants que je voulais passer, parce qu'à chaque fois ça m'arrive, quand c'est le moment de la peser, à chaque fois j'arrive à la peser au poids, et les combattants arrivent avec 2 ou 3 kilos en plus. Donc, sans mal parler, hein, c'est juste une question de respect, arriver au poids, c'est le règlement, c'est comme ça. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais vous saluer chaleureusement votre champion des 93 kilos, Mathieu Grondin, s'il vous plaît. Félicitations Mathieu, félicitations. Allez, bon retour, bonne soirée. Il représente l'île de la Réunion. Il est venu spécialement et il repart avec la ceinture. Bravo, bravo Mathieu.